Alors, bonjour, aujourd'hui on va voir un exercice sur des pôles RC dans le cadre de la révision de l'électricité. Donc on série un condensateur de capacité C initialement déchargé, un conducteur ohmique de résistance R égale à 1 kΩ, un interrupteur K initialement ouvert et un générateur GBF qui délivre une tension périodique UG de période T avec UG égale à E sur l'intervalle 0 T sur 2, UG égale à 0 sur l'intervalle T sur 2 T. On visualise sur un oscilloscope la tension UG aux bornes du GBF et la tension UC aux bornes du condensateur et on obtient le diagramme représenté sur la figure 2. La figure 2, donc on a ici deux courbes. Cette première courbe croissante, ensuite pardon, décroissante, c'est la courbe qui représente les variations de la tension UC aux bornes du générateur dans l'intervalle 0 t sur 2 et après dans l'intervalle t sur 2 t, c'est-à-dire au cours de la charge et au cours de la décharge. Deuxième courbe, c'est une courbe qui est constante dans l'intervalle 0 t sur 2 égale à E. Donc cette courbe, c'est la courbe qui représente les variations de la tension de générateur, UG. Donc UG qui est égal à E dans l'intervalle 0 t sur 2. Et ensuite, UG est égal à 0 dans l'intervalle T sur 2, T. Pardon, UG est égal à 0 dans le deuxième intervalle. Donc, UG dans l'intervalle 0 T sur 2 est constante égale à E. Ensuite, il s'annule dans l'intervalle T sur 2, T. Tension UC de condensateur dans l'intervalle 0 T sur 2, fonction croissante. Après, dans l'intervalle T sur 2 T, elle est décroissante. Donc, grand 1, réponse d'un circuit RC série à un échelon de tension montant, ce qu'on appelle la charge de condensateur. Donc, à T égale à 0, on ferme l'interrupteur. Première question, établir l'équation différentielle, vérifier par la tension UC dans l'intervalle 0 T sur 2. L'intervalle 0 T sur 2, c'est-à-dire durant la charge du condensateur. Alors, pour établir l'équation différentielle, on commence toujours par le même point de départ, c'est la loi d'additivité des tensions. Alors on a le circuit, notre circuit pardon, donc un générateur, une résistance et un condensateur. Alors pour l'orientation du circuit, donc toujours pour le générateur, on adopte la convention générateur, la tension elle est représentée dans le même sens que le courant. Et pour la résistance et le condensateur, on adopte la convention récepteur pour laquelle la tension elle est représentée dans le sens opposé des courants. Alors d'après la loi d'additivité des tensions, donc toujours le point de départ pour établir l'équation différentielle en électricité, c'est la loi d'additivité des tensions. Alors on a UG qui est égal UR plus UC. Alors on travaille dans l'intervalle 0 T sur 2. Dans l'intervalle 0 T sur 2, on a UG qui est égal à un grand E constante. Donc l'intervalle 0 T sur 2, UG constante égale à un grand E. D'après les données, UG égale à E dans l'intervalle 0 T sur 2. Et on a d'autre part, d'après la loi d'Ohm, UR égale à RI, avec I qui est égal, on rappelle que I, c'est la dérivée de Q par rapport à T, la dérivée de Q par rapport à T, qui est égale C fois la dérivée de UC sur DT, égale C fois la dérivée de UC par rapport à. Donc on va remplacer donc UR égale à RI, donc égale RC fois la dérivée de UC par rapport à T. Donc E égale UG. Donc E égale RC, la dérivée de UC sur DT, plus UC. Donc c'est l'équation différentielle vérifiée par la tension UC, qui est l'équation différentielle de premier ordre. Deuxième question. La solution de cette équation différentielle est de la forme UC de T égale A exponentiellement T sur tau plus B. Détermine les expressions des constantes A, B et tau. Alors toujours pour déterminer les expressions des constantes A, B, tau, on remplace la solution dans l'équation différentielle et on utilise ensuite les conditions initiales. Alors on rappelle que les conditions initiales, dans l'intervalle 0 T sur 2, on a initialement le condensateur qui est initialement déchargé, c'est-à-dire que UC à l'instant 0 égale A 0, c'est ça la condition initiale. On commence tout d'abord par remplacer la solution dans l'équation différentielle.
Alors, on a UC qui est égal à A exponentielle moins T sur T plus B. Donc, la dérivée de UC par rapport à T égale moins A sur T exponentielle moins T sur T. Bien sûr, la dérivée de B, c'est 0, puisque B, c'est une constante. On remplace ensuite dans l'équation différentielle. Donc, E égale RC fois la dérivée de UC sur DT qui est égale à moins A sur T exponentielle moins T sur T plus UC qui est égal à A exponentielle moins T sur T plus B. Donc on va faire passer grand E de l'autre côté, donc E moins grand P. Pardon, c'est plutôt on va passer le B de l'autre côté, donc E moins grand P plus A exponentielle moins T sur T facteur 2. Donc on va factoriser par A exponentielle de A sur T exponentielle moins T sur T facteur 2 RC sur T moins 1, le tout égal à 0. Donc on a passé ce terme de l'autre côté. Donc E moins B, ensuite moins A sur T ça devient A sur T, donc A exponentielle moins T sur T facteur de RC sur T moins 1 égale à 0. Alors pour que cette équation soit vérifiée, qu'elle soit T, il faut que E moins grand B égale à 0 et RC sur T moins 1 égale à 0. Donc pour que cette équation soit vérifiée, qu'elle soit T, il faut que E moins B égale à 0 et RC sur T moins 1 égale à 0. Donc on trouve que B égale à grand E et T égale à RC. Ensuite, pour déterminer l'expression de grand A, de la constante de grand A, on va utiliser la condition initiale. Alors initialement, le condensateur il est déchargé, donc on a d'après les conditions initiales, UC restant 0 égale à 0. Donc en remplaçant T par 0, donc A exponentielle 0 c'est 1, donc c'est A plus B égale à 0, soit A égale moins B égale moins E. Donc finalement, on trouve que A, constante A égale à moins E, la constante B égale à E, et T égale à RC. B égale à E, et T qui est égal à RC. Alors, troisième question. Pardon. Donc, la troisième question, montrer que taux est homogène à un temps et déterminer graphiquement sa valeur et en déduire la valeur de C. Donc, on va faire une analyse dimensionnelle de la constante des temps taux. Alors, d'après la loi d'Ohm, on a UR qui est égal à RI. Donc, la dimension de R égale la dimension de U sur la dimension de I. Donc, R, c'est une tension sur un courant. Et d'autre part, on a I qui est égal à DQ sur DT égale C fois la dérivée de UC sur DT. Donc, C égale I que divise la dérivée de UC par rapport à T. Donc la dimension de C égale la dimension de I que divise la dimension de U sur la dimension de T est égale I fois T sur U. D'où la dimension de T égale la dimension de R fois la dimension de C. On remplace la dimension de R par U sur I. La dimension de C, I fois T sur U. Et bien sûr, le I simplifie avec le I, le U simplifie. Et il reste que la dimension de T égale la dimension de T égale à grand T. Donc, taux, il est bien homogène à un temps. Bien sûr, son unité, c'est la seconde. Pour la détermination graphique de la constante des temps taux, donc on rappelle qu'on travaille dans l'intervalle 0, t sur 2. Alors, la courbe représentant UC, c'est celle-ci. Donc, on a une charge de condensateur. Donc, la tension UC qui augmente progressivement de 0 jusqu'à la valeur maximale. On rappelle que c'est la valeur maximale qui est égale à grand E. Pour déterminer la valeur de la constante des temps taux, donc on a deux méthodes. Soit on prend la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0 qui est déjà tracée. Cette tangente à l'instant t égale à 0 qui coupe l'asymptote horizontale UC égale à E en un point d'abscisse taux. En projetant, on obtient taux égale 1 milliseconde. Donc on peut exploiter la tangente. L'intersection de cette tangente avec l'asymptote horizontale UC égale à E. Donc on projette, on obtient la constante des temps, taux égale à 1 milliseconde. Deuxième méthode, on peut calculer UC. On sait que UC à l'instant taux, on a UC à l'instant taux qui est égal à 0,63 fois E. 0,63 fois E. Avec E qui est égal, donc 2, 4, 6 volts. Graphiquement, E égale 0, pardon, 6 volts, donc 0,63
fois 6, ça fait à peu près 3,78 volts. À peu près 3,8 volts, on a ici 2, 4, donc 3,8, à peu près ici, donc 3,8. Et on projette sur la courbe cette fois-ci, donc sur la courbe. Donc l'abscisse qui correspond à l'ordonnée 3,8, c'est tau donc égal à 1 milliseconde. Donc on a deux méthodes, soit la méthode de la tangente à l'instant t égale à 0 qui coupe l'asymptote horizontale UC égale à E, on a un point d'abscisse tau, soit on a UC à l'instant tau qui est égal à 0,63 fois E, cette ordonnée a pour abscisse tau. On projette, donc c'est tau, donc tau égale à 1 milliseconde. Après, donc, calcul de C, on sait que tau égale RC, on l'a déjà établi, donc tau égale RC, donc C égale tau sur R. Application numérique, bien sûr, il faut convertir la constante des temps tau en secondes, ça fait 10 moins 3 secondes. Et on a R égale à 1 kΩ, donc c'est 10 puissance 3, ça fait 10 moins 6 farads, ou bien 1 microfarad, donc c'est la valeur de la capacité C des condensateurs. Quatrième question, on trouve l'expression de la tension UR. Vous pouvez représenter sur la figure 2 l'allure de la courbe UR sur l'intervalle 0 t sur 2. Je rappelle que toutes les grandeurs UC, UR, I, normalement ce sont des grandeurs qui varient en fonction de t. Il faut toujours écrire UC de t, UR de t et de t, même si je ne l'écris pas, donc il faut toujours l'écrire. Normalement c'est UR de t et UC de t. Alors, on va essayer de trouver l'expression de UR. Donc d'après la loi d'additivité de tension, dans l'intervalle 0 t sur 2, on a E égale UR plus UC. Donc on a la charge du condensateur, donc UG est égal à E. Donc UR égale E moins UC, soit UR égale à E moins. Donc on a UC qui est égal à A exponentielle moins T sur tau, plus B avec A c'est moins E, on a déjà établi. Et B c'est E, donc c'est E moins, moins E exponentielle moins T sur tau plus E. Alors le E avec le moins E, on simplifie. Le moins avec le moins, ça fait plus E exponentielle moins T sur tau, donc c'est l'expression de UR. Normalement, il fallait écrire UR de t. Toutes les grandeurs sont en fonction du temps. Donc UR égale à E exponentielle moins t sur tau. Pour tracer l'allure de cette courbe, donc normalement, en physique, toujours pour tracer l'allure d'une courbe, on prend les points remarquables, t égale à 0 et t tend vers l'infini. Alors, à quoi est égal UR à l'instant 0? Donc initialement, à l'instant t égale à 0, on a exponentielle de 0 qui est égale à 1, donc UR à l'instant 0 égale à E. Donc UR 0, c'est E. Et la limite lorsque t tend vers plus l'infini, donc du UR, alors on sait que la limite de exponentielle moins t sur tau lorsque t tend vers plus l'infini c'est 0. Donc la limite de UR lorsque t tend vers plus l'infini c'est 0. Donc la courbe qui représente UR en fonction de t, c'est fonction décroissante de E jusqu'à 0. Donc elle décroît exponentiellement de E jusqu'à 0. Donc c'est la courbe représentée en rouge ici. Donc c'est cette courbe représentée en rouge. Donc c'est la tension UR en fonction des temps. Donc lorsqu'un condensateur se charge, la tension UC du condensateur augmente progressivement de 0 jusqu'à la valeur maximale E, alors que la tension UR, elle décroît progressivement de E jusqu'à 0. La même chose pour le courant, puisque UR est proportionnel à I, donc le courant, lors de la charge, atteint égal à 0. Il est maximal, après il décroît jusqu'à ce qu'il s'annule à la fin de la charge. Donc c'est l'allure de la courbe UR de t. On va passer maintenant à la deuxième partie de l'exercice. Réponse d'un circuit RC série à un échelon de tension descendant, ce qu'on appelle la décharge. On considère l'intervalle t sur 2 t, donc on travaille maintenant dans l'intervalle t sur 2 t, UG égale à 0, donc normalement UG égale à 0, donc ça reste UC plus UR égale à 0, donc c'est la décharge du condensateur. Considère l'intervalle t sur 2t, établit l'équation différentielle vérifiée par l'intensité et de t des courants électriques. Alors, comme on l'a déjà dit, donc le point de départ pour établir l'équation différentielle, c'est la loi d'additivité des tensions. Alors d'après la loi d'additivité des tensions, on a UG qui est égal à UR plus UC. Alors dans l'intervalle t sur 2 sur, dans l'intervalle pardon, t sur 2t, on a UG qui est égal à 0. Et on a de plus UR égale à RI, d'après la loi donc.
en remplaçant donc 0 égale RI plus UC. Après, je vais multiplier par C. Donc, on aura 0 égale RC fois I plus C fois, plus C fois UC. Et après, toujours pour établir l'équation différentielle vérifiée par I ou par UR dans le circuit RC, on dérive par rapport au temps. Donc, on va dériver les deux termes d'égalité par rapport au temps. Donc, on va retrouver RC d sur dt plus C dérivé d'UC sur dt égale à 0. Le terme C fois la dérivée de UC sur dt, ça représente quoi? Eh bien, ça représente le courant I qui est égal à C dérivé de UC sur dt. Ok, UC sur dt. Donc, l'équation différentielle, c'est RC fois DI sur dt plus I égale à 0. C'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I de t. C'est l'équation différentielle de premier ordre. Alors, je répète, pour établir l'équation différentielle de le courant I de t ou de la tension UR de t, on écrit la loi d'activité de tension et on dérive par rapport au temps. Alors, deuxième question. La solution de cette équation différentielle est de la forme I de t égale A' exponentielle moins t sur tout. Montrez que l'intensité de courant à l'instant t égale 2t sur 3 s'écrit sous la forme I de t égale moins E sur R exponentielle moins 2. À noter ici que à l'instant t égale à 0, on a commencé la charge du condensateur. Cette charge se termine à l'instant t sur 2. À partir de l'instant t sur 2, on commence la décharge. Mais remarquez qu'on n'a pas changé, d'après les données de l'exercice, on n'a pas changé l'origine des dates. C'est-à-dire que le début de la décharge, c'est pas t égale à 0, mais c'est t sur 2. Puisque d'après l'énoncé, on n'a pas changé l'origine des dates. Donc, pour écrire les conditions initiales dans la deuxième partie de la décharge, les conditions initiales, il faut écrire à l'instant t sur 2, c'est pas l'instant t égale à 0. Donc la décharge, elle a commencé à l'instant t sur 2. Alors, la question, montrer que I à l'instant 2, t sur 3 s'écrit sous cette forme, I de t égale moins E sur R exponentielle moins 2. Alors, on va commencer par la loi d'activité de tension à l'instant t sur 2. Alors, à l'instant t sur 2, on a UC à l'instant t sur 2 plus R fois I à l'instant t sur 2 égale à 0. Puisque UG égale à 0, bien sûr. UG égale à 0, puisqu'on travaille maintenant dans l'intervalle t sur 2, t. Donc, UC à l'instant t sur 2 égale moins R fois I. Avec I, c'est A' exponentielle moins t qui est égal à t sur 2 divisé par moins t sur 2 divisé par temps. Et d'après les conditions initiales, on a UC à l'instant t sur 2 égale à E, puisque le condensateur il est initialement chargé. Donc à la fin de la charge, à l'instant t sur 2, pardon, le condensateur il a été déjà chargé. Donc UC c'est E. Donc à l'instant t sur 2, UC égale à E. Et une autre remarque, il faut remarquer que on a essayé donc la période grand T, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc on a T qui est égal à 12 millisecondes. 12 millisecondes. Et on a déjà établi que taux égal, non, pardon, on a déjà déterminé que taux égal à 1 milliseconde. Donc taux égal à 1 milliseconde, ça veut dire que T égale 12 taux. Donc la période t égale 12 fois la constante des temps taux. Donc on a UC à l'instant t sur 2 égale à E, avec grand t égale 12 millisecondes égale à 12 taux. Donc on va remplacer ici. Donc E égale moins R fois A' exponentielle moins t. On va remplacer le t avec 12 taux, moins 12 taux sur 2, divisé par taux. Alors le taux simplifie. Moins 12 sur 2, ça fait moins 6. Donc E égale moins R fois A' exponentielle moins 6, soit A' égale moins E sur R fois exponentielle moins 6. On va inverser l'exponentielle moins 6, c'est l'exponentielle de 6. Donc c'est l'expression de A'. Donc A' égale moins E sur R exponentielle de 6. D'où I à l'instant 2t sur 3, on va remplacer dans l'expression de I. Donc I à l'instant 2t sur 3 égale A' exponentielle moins t qui est égal à 2t sur 3 divisé par 3.
Donc I à la stampe de T sur 3 égale. Donc A', c'est moins E sur R exponentielle de 6. Le grand T, la période, c'est 12 taux. Donc 12 taux sur 2 fois 12 taux sur 3 divisé par taux. Bien sûr, le taux simplifie. 12 fois 2, ça fait 24 sur 3, ça fait 8. Donc exponentielle moins 8 fois moins E sur R exponentielle de 6. D'où I à l'instant 2T sur 3 égale moins E sur R exponentielle. Donc 6 moins 8, ça fait moins 2. Exponentielle moins 2. Donc c'est l'expression de l'intensité de courant à l'instant 2T sur 3 égale moins E sur R exponentielle moins 2. Question 3. Montrer, pardon, question 3, la paragraphe grande. Ok. Montrer que l'énergie thermique dissipée dans le circuit entre les instants T sur 2 et 2T sur 3 s'écrit sous la forme E thermique égale C fois E au carré facteur de exponentielle de 4 moins 1 que divise 2 fois exponentielle de 4, puis calculer sa valeur. Alors, on a initialement un condensateur qui est chargé, l'instant T sur 2. Après, il va se décharger. Donc, c'est l'énergie. Donc l'énergie pardon électrique emmagasinée dans le condenseur va diminuer. Donc à quoi est égale l'énergie dissipée? Donc l'énergie dissipée, c'est l'énergie emmagasinée initialement à l'instant T sur 2 moins l'énergie emmagasinée à l'instant de T sur 3. Donc l'énergie thermique, c'est la différence entre l'énergie emmagasinée à l'instant T sur 2, dans le condensateur bien sûr, l'énergie électrique, moins l'énergie électrique emmagasinée à l'instant de T sur 3. La différence entre les deux, c'est l'énergie dissipée par effet Joule, ce qu'on appelle l'énergie thermique. Donc l'énergie thermique, c'est l'énergie électrique emmagasinée à l'instant T sur 2, moins l'énergie électrique emmagasinée à l'instant de T sur 3. Alors on sait que l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur, c'est 1 demi C fois UC au carré. Donc ça fait 1 demi C UC à l'instant T sur 2 au carré, moins 1 demi C UC à l'instant de T sur 3 à la puissance 2. On va factoriser par 1 demi C, facteur 2. UC à l'instant T sur 2 au carré, moins UC à l'instant de T sur 3, le tout au carré. Avec UC à l'instant T sur 2, c'est grand E. Donc initialement, le condensateur à l'instant T sur 2, il est chargé, sa tension UC égale à E. Et UC à l'instant de T sur 3, on va la déterminer à partir de la loi d'additivité de tension. Alors on a UC à l'instant de T sur 3, plus R fois I à l'instant de T sur 3 égale à 0, puisqu'on travaille dans l'intervalle 0T sur 2, donc UG égale à 0. Donc UC à l'instant de T sur 3 égale moins R fois I à l'instant de T sur 3. I à l'instant de T sur 3, qu'on a déjà établi son expression, c'est moins E sur R exponentielle moins 2. Donc le R simplifie. Donc UC à l'instant de T sur 3 égale à E fois exponentielle moins 2. Donc l'énergie thermique, c'est 1 demi C, facteur de E au carré, moins E fois, pardon, fois, moins E au carré, donc il faut enlever au carré, UC au carré, donc c'est E au carré exponentielle moins 4. Donc ça fait 1 demi C, on factorise par E au carré, facteur de 1 moins 1 sur exponentielle moins 1 sur exponentielle de 4. Donc exponentielle moins 4, c'est 1 sur exponentielle de 4. Et bien sûr, on va réduire en même dénominateur, multiplié par 2 ici, donc on va faire rentrer le 2. Donc ça fait CE au carré, facteur de E à la puissance 4 moins 1 sur 2, E à la puissance 4. Donc c'est l'énergie thermique dissipée entre les instants T sur 2 et 2T sur 3. Donc c'est C fois E au carré, facteur de E à la puissance 4 moins 1 sur 2 à la puissance 2 fois E à la puissance 4. Alors pour l'application numérique, donc graphiquement, on a dit que la tension ou la force électromotrice pardon, des générateurs CE égale à 6 volts. Donc on va calculer la valeur de l'énergie thermique dissipée. Donc C c'est 10 moins 6 fois 6 à la puissance 2, pardon, 6 au carré, c'est pas 6 à la puissance 2, 6 au carré, exponentielle de 4 moins 1 que divise 2 à la puissance E à la puissance 4. Donc ce calcul fait, on trouve l'énergie thermique dissipée, c'est 1,77 10 moins 5 joules. Pour la dernière question, alors la dernière question, calculer la capacité C' des condensateurs C' qu'on doit monter avec le condensateur C dans le circuit précédent pour que la constante des temps devienne temps prime égale à temps sur 2, en indiquant le type de montage série ou parallèle. Alors, pour avoir la
un constant d'étant top prime égale à top sur 2. Donc il faut que. Donc top prime c'est R fois C équivalent. C équivalent c'est la capacité des condensateurs équivalents à l'association des deux condensateurs. Égale top, top c'est RC sur 2. Et bien sûr, on va simplifier par le R. Donc C équivalent égale à C sur 2. Donc on remarque que la capacité des condensateurs équivalents est inférieure à C. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un montage en série. Donc c'est le montage en série des capacités qui fait diminuer la capacité. Donc puisque la capacité des condensateurs équivalents est inférieure à la capacité des condensateurs C, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un donc il s'agit d'un montage en série. Donc puisque la capacité a diminué, donc les deux condensateurs sont associés en série. Donc 1 sur C équivalent égale à 1 sur C plus 1 sur C prime, soit 1 sur C prime qui est égal 1 sur C équivalent moins 1 sur C. Or, 1 sur C équivalent, c'est 2 sur C, d'après cette relation. 2 sur C, moins 1 sur C. Donc, 1 sur C prime, 2 moins 1, ça fait 1 sur C, soit C prime égale à C, égale 1 micro farad. Ainsi se termine notre exercice sur le dipôle RC. On se retrouve bientôt donc dans de nouvelles exercices d'électricité. Merci de votre attention et à bientôt.